Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à comprendre qu'on a bâti un système qui est en train de nous détruire de l'intérieur. Il y a des pays autour de nous, en 10 ans, qui ont connu une transformation significative. Mais Seigneur, nous sommes toujours en train de chercher l'homme providentiel, la femme providentielle. Mais où nous allons trouver cela? Nous devons tout simplement nous remettre en cause, nous repentir. Aussi longtemps que nous refusons de reconnaître notre fidélité, on ne pourra pas se relever. Aide ton Église à comprendre que nous sommes comptables aussi de cette situation. Nous avons arrêté de prêcher la vérité. Nous avons remplacé le message de la vérité par un message qui caresse les consciences au profit de ce que les gens peuvent nous apporter. On a rejeté la vérité, on a embrassé le mensonge. On a rejeté la transparence, on a aimé les apparences. On a rejeté ce qui est profond et on a embrassé ce qui est superficiel. Ce qui est chétif est devenu précieux pour nous. Ce qui est désapprouvé est devenu ce que nous célébrons même. Papa, je te demande pardon. Mais guéris-nous. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Les nominations de gouvernement en gouvernement, des nominations en nomination, d'église en église, des nouveaux leaders à d'autres leaders, rien ne bouge. Nous sommes les mêmes. Fatigués, désespérés, abusés. Morale brisée. Tout un pays perd l'espérance du futur. Des générations entières ne croient plus. Papa, fait revenir la vérité à la maison. Fait revenir la transparence. Fait revenir la droiture. Merci pour ce matin. Que chacun puisse faire un examen de sa propre vie en cette fin d'année. Que chacun puisse revoir la manière dont il marche avec toi. La manière dont il se tient avec toi. La manière dont il parle. La manière dont il se tient par rapport au pays. La manière dont il s'implique dans le travail par rapport au développement de ce pays. Papa, le Gabon ne souffre d'aucun problème, mais les populations sont malades. Ramène l'éthique, guérez-nous de l'intérieur. En cette fin d'année, j'ai tellement ni l'or ni l'argent, mais un esprit de repentance. Crée un climat qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est dans le nom de Jésus que je te demande cela. Et tout le monde dit. Amen. Que Dieu vous bénisse.